Bonjour, je suis Marie-Lou Bourque, bibliothécaire spécialisée en éducation ouverte à l'Université Laval et membre de la Fabre Écrelle. Cette présentation a pour but de vous montrer un, une brève évolution de, du concept de l'éducation. C'est un concept assez complexe, alors retenez que c'est notre brève perspective en lien avec le sujet, surtout pour vous faire comprendre l'importance de l'éducation ouverte dans notre contexte d'aujourd'hui. Donc, nous commençons par il était une fois, au siècle dernier, l'école québécoise était beaucoup centrée à former des travailleurs. C'était l'enseignant qui était au cœur de l'apprentissage et il transmettait ses savoirs à ses étudiants. Tous les jours, on formait plus de diplômés pour faire rouler l'économie. Et puis un jour, en 1989, Internet est arrivé et a bousculé le monde du partage des savoirs. Tout le monde s'est mis à partager des savoirs euh, plus ou moins fiables, sans avoir euh, la compétence nécessairement pour euh, pour transmettre des savoirs de qualité. Puis dans les années 90-2000, il y a eu de nouveaux courants pédagogiques euh, où euh, l'étudiant était maintenant au cœur des apprentissages. On s'est mis à tenir compte davantage de la, per la perspective des étudiants pour euh, une plus grande réussite euh, des apprentissages. Et alors, on s'est mis à, à s'adapter encore plus au, au marché du travail en constante évolution, euh, toujours dans un rythme très accéléré et productif. Et finalement, on arrive en 2023 avec beaucoup euh, de défis collectifs. On a eu entre autres la pandémie qui nous a forcés à passer à un enseignement à distance euh, de manière assez rapidement, à développer une littératie numérique aussi. Euh, on n'a pas eu le choix de passer à un mode collaboratif davantage. Et puis, plus récemment, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on se questionne beaucoup sur ces compagnies qui. Euh, euh, veulent développer l'IA, mais euh, sans tenir compte du bien commun et euh, des risques pour l'humanité. Et ça soulève aussi l'importance de développer la pensée critique euh, chez les étudiants euh, qui sont de plus en plus confrontés à une mer d'informations euh, plus ou moins fiables. Alors, comment les aider à travers tout ça? Je pense que l'éducation ouverte peut être une, une solution importante pour répondre au contexte des besoins d'aujourd'hui. L'éducation a longtemps eu une visée à produire des travailleurs productifs. Euh, on se questionne à savoir s'il n'y a pas lieu de changer cette priorité-là face à l'éducation. Ne serait-il pas mieux de former? Euh, des citoyens éco-responsables, euh, co-créateurs de savoirs éducatifs euh, qui tiennent compte du bien commun. Alors des humains heureux qui, qui vont répondre à leurs propres besoins, mais qui sont capables aussi de tenir compte euh, de l'ensemble des besoins de l'humanité. C'est un peu dans cette perspective-là que l'éducation ouverte euh, euh, a sa place. Et qui vise à faire tomber les barrières à une éducation de qualité pour tous par deux principaux moyens. Les ressources éducatives libres, les réelles, et des pratiques éducatives ouvertes et inclusives. Les valeurs de l'éducation ouverte et des rêves euh, sont les suivantes. Donc, la co-construction des savoirs est au cœur de l'éducation ouverte. L'importance, entre autres, d'inclure les étudiants dans la co-construction des savoirs pour qu'ils puissent devenir compétents. En la matière. Euh, le développement durable est très important aussi. On vise à répondre aux objectifs de développement durable de, de l'ONU, dont le quatrième objectif qui vise à offrir une, une éducation de qualité pour tous. L'équité, diversité, inclusion et l'accessibilité sont aussi au cœur de l'éducation ouverte. L'importance de ne pas réinventer la roue, mais de d'aller chercher les savoirs existants pour pouvoir construire par-dessus ces savoirs-là, les bonifier et faire évoluer finalement les savoirs. On croit aussi à l'importance d'une éducation de qualité à faible coût, par exemple en offrant aux étudiants des ressources éducatives libres et gratuites. On croit à l'importance du savoir comme bien commun. Et finalement, l'éducation ouverte s'insère au sein de la science ouverte qui vise à faciliter la circulation des savoirs produits par la recherche euh, pour que ces savoirs-là arrivent rapidement aux étudiants en contexte d'enseignement, mais aussi à toute la population citoyenne. Pour en savoir plus sur l'éducation ouverte, n'hésitez pas à aller voir notre site Web fabriquerel.org, merci.